Alors, Michel, c'est l'heure de notre camarade du jour. C'est une personnalité coup de cœur. En l'occurrence, je ne peux ni vous donner son nom, ni vous donner son prénom, car notre camarade du jour, on le connaît. D'accord ? C'est un rapport forcément avec Michel Bernier. Il va essayer de notre camarade, de prendre une voix un petit peu différente pour qu'on ne l'identifie pas tout de suite. D'accord ? Le seul truc que je peux dire, c'est bonjour, camarade du jour. Bonjour, mademoiselle. Alors, là, Michel, elle se dit, c'est ce qui c'est. Donc, je vous laisse poser des questions à notre camarade du jour pour essayer de deviner son identité. Et vous pouvez jouer, vous aussi, hashtag LCDG, si vous nous écoutez à la maison, au boulot, en voiture, partout. L'invité du jour, est-ce que vous êtes un ex de Michel Bernier ? Pas que je sache. Bon, déjà, ça enlève beaucoup est-ce de monde. Est-ce que vous êtes chanteur ? Il dit ça enlève beaucoup de monde. Je ne suis pas chanteur. Sous ma douche, éventuellement. Ah, ça y est, je sais que c'est Michel, là ! Ok. Ne le dis pas. Comédien ? Oui. Est-ce que vous avez déjà été sur scène avec Michel ? Est-ce que j'ai déjà été sur scène ? Oui. Plusieurs fois ? Une fois, je crois. Est-ce que c'est quelqu'un que vous voyez dans votre vie privée ou que professionnelle ? On se voit un petit peu quand même dans notre vie privée. Vous changez votre voix ou pas à chaque fois ? C'est votre non, voix. Moi je trouve qu'on l'identifie pas mal finalement. Mais vous avez le nom, vous. C'est pas oui, facile. Est-ce que vous avez le même prénom ? Je n'ai pas le même prénom. Je pense à Michel Drucker. Voilà, ce matin, je vous rassure. Ah non, ce n'est pas Michel Drucker. Non. Moi, il me fait beaucoup rire. Ah, parce que vous êtes comédien, mais vous êtes humoriste. Non. Ah, mais vous la faites rire quand même. Oui, c'est ça qui est génial. Vous êtes dramaturge, mais vous la faites bien rigoler. Non, je ne sais pas si on peut me cataloguer d'humoriste, mais bon, je suis comédien. Non, il peut tout jouer. Tu es tellement drôle, mon amour. Ouais. Est-ce que je l'appelle mon amour parce que c'est... Voilà, est-ce que vous avez fait de la radio ? Oui, j'ai fait de la radio. Ouais. Avec cette voix. Avec cette voix. Ouais. Là, elle est plus trafiquée. J'étais grossièrement sur le million en quart d'heure. Est-ce que c'est... comme nous, hein. Ouais, mais il a un peu la voix de Franck Dubosc, mais... Non. Million en quart d'heure, vous parlez d'auditeur ou de salaire là ? Au salaire, évidemment. Ah oui, vous êtes connu, oui, franchement. Alors, c'est un comédien, on le connaît, on le voit aussi à la télévision de temps en temps. Il a fait un carton avec Michel dans un téléfilm pour le service public. Mais quand je dis un carton, c'est France 3, qui était une série. Et il s'appelle Philippe. Oui, je pense que j'ai trouvé alors. Alors, allez-y. Est-ce que je vais essayer de confirmer mon intuition ? Tout à fait. Soyez drôle, s'il vous plaît. Non, ça y est, j'ai pas dit ça non plus. Est-ce qu'on vous a beaucoup vu sur Comédie à une époque ? Il me semble. Tout à fait. Vous avez une idée, Philippe ? J'ai une idée. Je le dis ou pas ? Ouais. Est-ce que vous êtes Barjo ? Philippe Lelièvre, non ? Mais oui. Bonne réponse ! C'est Philippe Lelièvre. Comment ça va, mon lapin ? Ça va. Tu entends ma voix ? En fait, ma voix n'est pas du tout, trafiquée. Ah, c'était pas déformé ? Ah oui, dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas être merveilleux ce soir. Ah oui, tu vas être beau. Tu vas avoir une voix de merveilleux, merveilleuse dans mon oreille. Ouais, et disons, Michel, tu m'as reconnu au bout de combien de secondes ? Au bout de 4 secondes, 12,4. Je savais. Alors, Philippe Lelièvre, c'est vrai, oui. Vous jouez aux côtés de Michel Bernier. Alors, il a un rôle génial, Philippe. Il est sublime. Il joue un garçon très efféminé, il faut le dire. Un antiquaire... Disons que le c'est le prénom efféminé. Aussi, on peut le donner. Pardon ? On peut le donner. Il s'appelle Étienne et c'est l'antiquaire et qui est une grande folle perdue comme on les faisait un peu à cette époque-là. On écrivait les homos comme des espèces de gens un peu bizarres. Et Philippe est génial. Il joue de tellement drôlerie. Bien. Ça fait du bien, justesse, ouais. Absolue. Et ça fait du bien, Philippe, de vous revoir sur scène. Vous devez vous éclater aux côtés de Michel Bernier, Ariel Dombal, Patrick Braudet. C'est rien de le dire. Au-delà de m'éclater, je crois que c'est quand même Michel, il faut lui reconnaître ça, qui a créé cette troupe-là qui est autour d'elle. Donc je trouve qu'il n'y a pas une seule faute de goût. On s'entend divinement bien, c'est une vraie troupe. Ouais. Et bon, on joue 10 fois, je vous promets qu'on prend du plaisir à fond parce que dimanche prochain, c'est terminé. Oui, c'est vrai. Et dites-moi, moi, je vous connais un petit peu. Je sais que vous avez un amour sans borne pour le théâtre. D'ailleurs, à l'époque, vous avez essayé de le faire aimer aux élèves de la Star Academy. C'était aussi sur TF1. Non, mais c'est vrai. Et ça doit vous faire plaisir de rendre populaire et accessible le théâtre comme vous l'aimez aussi, de par sa diffusion sur TF1. C'est mon envie depuis que je suis adolescent. Moi, j'ai créé une troupe, j'avais 15 ans. Et j'avais envie de rendre le théâtre populaire, mais au bon sens du terme. Donc là, tout à coup, en rendant hommage au théâtre ce soir, ce qui m'a fait finalement aimer le théâtre il y a 50 ans, puisque j'avais un an,
Bien. T'as remarqué qu'on répond rien. Non. On a été polis. Voilà, c'est vraiment toute cette époque-là qui m'a donné envie de faire du théâtre. Et quand Michel m'a proposé cette aventure, j'ai dit oui sans hésiter. Pour rendre hommage aux 50 ans de théâtre ce soir. Vous connaissez bien aussi la mise en scène, puisque si mes souvenirs sont bons, vous aviez mis en scène Catherine Laborde, entre autres, pour les Fables de La Fontaine à Avignon. On peut parler de la metteuse, on dit metteur en scène, pardon, pour Folle Amanda. Metteur en scène, oui, oui. Que vous connaissez très bien, Michel et Philippe. Ah ben oui, Marie-Pascale Austerite, voilà, qui a fait la mise en scène. Ben, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, toutes les deux. On se connaît tellement, on s'aime tellement, puis elle a tellement de talent. Et quand j'ai proposé Folle Amanda, j'ai dit, mais moi, je le fais avec Marie-Pascale. Et ils m'ont dit, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, voilà, elle a un sens de ça. On a un décor sublime. Enfin, elle travaille beaucoup sur... Enfin, tout ça, c'est vraiment un travail... Elle travaille beaucoup sur le rythme. J'ai marqué sur son petit mot de première, une main de fer dans un gant de velours. On croit qu'elle est là... Finalement, ça se passe doucement, mais elle sait exactement ce qu'elle veut. Et ça, c'est très agréable quand on est dirigé. Ouais, et bien sûr. Et je rappelle quand même, Philippe et Michel, que vous avez partagé dernièrement l'affiche à la télé pour la série La Stagiaire, qui était sur France 3. C'était un carton en 2016 avec près de 4 millions de téléspectateurs. Il y a une tournée. Il y a une saison 2. On vient d'en faire là. Voilà. Et on recommence plus tard. Ah. Voilà, parce que France 3 aime beaucoup la série. Et donc voilà, on est mari et femme dans la série. C'est ça. Voilà. Donc on couche ensemble, ce qui est plutôt. Ouais, bah c'est plus pratique, hein, Philippe. Sa femme est d'accord, mon mec aussi. On a la même maison, Michel. On peut leur dire. Oui, c'est vrai qu'on a la même maison. Nous ne poserons pas plus de questions, Philippe Lelièvre. On ne juge pas, nous. Hein. Non, ne juge pas, surtout pas. Merci mille fois, Philippe, d'avoir été. Merci, mon filou d'amour. À tout à l'heure. Et que Jarry vienne voir le spectacle, ça lui fera du bien. Jarry vient avec plaisir. Merci Philippe Lelièvre, qu'on retrouve aux côtés de Michel Bernier dans la pièce Folle Amanda.